Bonjour, c'est Kali, ravie de vous retrouver avec un tout nouveau DIY et aujourd'hui je vous propose de fabriquer à la maison un fertilisant complètement naturel et très économique pour vos plantes mais aussi les arbustes, les arbres, tous les végétaux et même le gazon. Rien de plus simple, utilisez 1 litre d'eau et ajoutez-y 5 g de sel d'Epsom. Vous le laissez se dissoudre et ensuite vous le mettez en flacon. Votre fertilisant est prêt et vous allez pouvoir l'utiliser de différentes façons. Soit en pulvérisation directement sur les feuilles, soit au sol par l'arrosage. Je vous conseille également en complément d'utiliser un autre produit complètement naturel et que vous allez pouvoir vous procurer facilement, c'est la coquille d'œuf. Conservez toutes les coquilles d'œuf que vous pouvez utiliser dans vos préparations culinaires, mettez-les de côté. Une fois qu'elles sont bien sèches, vous allez les broyer pour constituer une poudre qui soit fine et je vous conseille de les pendre au-dessus de la terre avant par exemple d'arroser avec votre fertilisant liquide. Vous faites profiter ainsi vos plantes d'engrais complètement naturels, de fertilisants qui vont les aider tout en recyclant, donc je trouve que c'est vraiment une excellente idée. J'espère que ce tout nouveau DIY vous a plu, si tel est le cas, faites-le moi savoir, laissez-moi toutes vos impressions en commentaire, likez la vidéo et partagez-la sur tous les réseaux sociaux. Enfin, si ce n'est toujours pas fait, file vite t'abonner à la chaîne. N'oublie pas non plus de cliquer sur la cloche pour activer toutes les notifications et être bien certain de ne rater aucune des prochaines vidéos. À bientôt les câlinettes !